La dernière lueur de Nebraska. Rends-toi au temple du temps pour recevoir ta juste récompense. Ah. Et il triompha de toutes les épreuves. Ah! J'ai pas vu le coffre derrière. Esprit du héros ancestral. En accueillant dans votre corps l'esprit de ce héros, ayant autrefois sauvé Hyrule, l'aura de ce dernier vous enveloppe et vous prenez son apparence. Ouh! C'est sérieux tout ça? Oh, stylé! Elle est marrante. Hein? Briser. Oups. Je suis dégoûté, j'aurais pas réussi à faire l'esquive parfaite, mais... on aura fait un linel blanc en mode vanilla. Mais c'est Bagdad là par ici hein. D'avoir des mates pour m'aider. J'ai pas l'impression qu'ils servent à rien des fois. C'est bon, j'ai fini de perdre tous mes cœurs avec cette réponse. Ah oui, là, on est vraiment vers les profondeurs, profondeurs. Des sages ne peut plus vous atteindre. Ah bah, c'est bien. Franchement, au top, merci. Je savais pas qu'il y avait un truc plus en profondeur comme ça. Des chuchus là. En fait, c'était sûr. Invoque ton fantôme. Ah.
il a du délai. Un peu chelou. Hein. J'ai un sabre laser, j'ai l'impression. Ouais. Ah oui, d'accord, donc ça c'est toutes les ruines qu'on avait au tout début du jeu, qu'on a exploré avec Zelda. Avec la guerre du sceau, Ganondorf à droite, là. Cette fois, qui fait qu'on a accès à la prophétie en entier. Donc ça c'est Ganon contre les six sages plus Rauru. Ça c'est Zelda avec l'épée de légende. Et ça c'est Zelda en dragon. J'en ai fait le serment à mon vénérable ancêtre! Je vais combattre à tes côtés! Je suis là! Nous protégerons de l'ensemble, Link! Le peuple Gerudo a une dette envers toi! Je vais maintenant l'honorer! Je vais pouvoir réparer les erreurs du passé et mettre un terme à la tragique histoire qui me lie au roi démon. Fais gaffe si jamais t'as envie de faire le jeu, je suis vraiment à la fin fin là. Je sais pas si le jeu t'intéresse ou si tu peux le faire, je préfère avertir. En tout cas, ça me fait plaisir de te voir. Comment ça va? Ça roule? Parfait. Je me prends tous les coups, ça y est. Depuis que Lapin est arrivé, je suis tout chose. Là,
ils arrivent à se faire des monstres tout seuls, hein, des fois de temps en temps. Hein. Ouais, mes alliés sont pas totalement inutiles. Des choses me disent qu'il va y avoir une deuxième vague. Il y a eu le temps de me mettre un coup de corde autour. Faire un truc. Ça. Je fais la popote et je refais. Je garde un œil ici quand même. Ça marche. Merci. Bah bonne popote. Bonne popote et merci pour le lurk. Tu fais quoi manger? Tiens, j'ai mon envie. J'ai déjà assez faim. Mais... éventuellement, on va faire mes stocks d'armes avec ça aussi. Qu'est-ce que tu vas faire de bon à manger? Oh non, mais ils sont relous. Non, je peux pas les affronter. Changer d'arc parce que j'ai pas envie d'améliorer mon arc. Ça ? Je savais pas qu'il y avait des ailes aussi. Alors. Lâche-moi ! Pâte au fromage complète, c'est bien. Simple, efficace, valeur sûre. Ça fait un moment que j'ai pas mangé des pâtes. Est-ce qu'on va pas se taper un... Aliné là, la fois. Allez, entretuez-vous. Voilà, moi j'existe pas. Yale. Cette mêlée, le fight est super sympa, mais voilà la mêlée. On dirait les miasmes du roi démon, alors c'est là-bas qu'il se cache. Dans la paix et la tranquillité, lâches qu'ils sont.
Au moins par le passé, il faisait encore preuve de ténacité. Il est temps de rendre à ce royaume l'apparence qui doit être la sienne. Je ferai régner ma loi sur le monde, je vais le subjuguer. Comme il sied au souverain que je suis. Le véritable roi renaît. Sois témoin de l'avènement de son monde. Dont tu es capable. C'est terminé. Trop prévisible. Aïe, j'ai des esquives parfaites. D'ailleurs... Tu te fais peur peut-être, quelle maladresse. Ou bien que je t'embrasse. Attaque. L'esquiver, je suis nul. C'est terminé. J'arrive pas à l'esquiver, c'est chaud, hein. Soumets-toi. Trop prévisible. C'est tout. Session. Cette sensation m'a manqué. Mon sang bouillonne et mes muscles palpitent. Mon corps entier réclame davantage de pouvoir. Chacune de mes cellules tremble sous l'aiguillon de cette soif inextinguible.
J'ai pas de mode Super Saiyan, moi, en fait. Attends, il a une giga barre de vie. Désolé pour l'attente. Link, on va lui faire sa fête au roi des démons. L'union de tes trois contours, la force. Sa barre de vie qui crève littéralement de la fin. J'ai essayé de décoller, mais je n'ai pas voulu. Nous allons filer. Moi j'ai pas de mode Super Saiyan. Ce qui est chiant quand vous tirez à l'arc, c'est que pour ressortir le bouclier, faut spammer le bouclier. Avec des trucs de chien. Nickel. Non. Tiens, dans les dents. Thank you.
temps de chargement rompiche. Le dragon là. Ouais, je les avais pas vus. Non, les rochers rouges, c'est sur eux, mais c'est les petites bouboules de miasme.
Kuma. Démon, tu l'as vaincu, n'est-ce pas? Ce n'est pas un rêve.
me souviens. J'ai dormi très longtemps, jusqu'à ce jour. Et puis, soudain, j'ai senti une chaleur vaste et apaisante qui m'enveloppait, et je me suis réveillée. J'ai très loin dans le passé. J'ai fait des rencontres extraordinaires. Je voulais tellement te raconter tout ça. Et c'est possible à présent. Je suis rentrée. Enfin. Waouh. Merci Lucie. Waouh. Les émotions à la fin de ce Zelda. C'est trop cool. J'étais trop triste pour Zelda. Et le fait qu'elle soit là. Franchement, c'est un soulagement, c'est génial. Ah, est-ce qu'on a encore une cinématique ? Imaginez l'ingéniosité déployée pour faire flotter une masse pareille. Les exploits de la civilisation Sonao me surprendront toujours. Nous sommes arrivés. Je suis heureuse d'avoir eu le temps de vous conduire jusqu'ici. Admirez. C'est le royaume d'Hyrule tout entier qui s'offre à vos regards. Oh, eh ben, vous étiez déjà monté aussi haut que ça, vous ? Non, je n'ai jamais rien vu de tel. Mais vous aussi, bien sûr. Vous étiez dans le ciel pendant tout ce temps. Oui, mais je n'en conserve aucun souvenir. Comme c'est étrange. Je n'aurais jamais cru me tenir ici à nouveau. J'ai bien une théorie à ce sujet. Le pouvoir de la lumière, allié au pouvoir du temps. Link a servi de catalyseur au pouvoir de Rauru et Sonia. C'est ce qui a permis ce miracle. Oui. Il est temps. Mon heure est venue. Dame Mineru ! Il y a fort longtemps, nous avions chargé les générations futures d'éliminer ce fléau. Et grâce à vous tous, il a enfin été vaincu. Je peux donc retourner auprès de Rauru et des miens l'esprit tranquille. Hein?
D'une même voix, nous les quatre, en faisons le serment, nous soutiendrons Valdez. Nous soutiendrons la princesse Zelda et maintiendrons la paix en Hyrule. J'en ferai part à Raoru et à Sonia. Dame Mineru, je leur transmettrai aussi tes sentiments les plus sincères. Le roi Raoru, la reine Sonia, Dame Mineru, ainsi que les sages des temps anciens. S'ils se sont battus, ce n'était pas pour un répit éphémère. Ils voulaient que le royaume vive en paix pour toujours. Et ce souhait, je veux l'honorer. Je veux qu'ils vivent à tout jamais. Il vivra. Nous serons là pour y veiller. Tous ensemble.